président. Pourquoi Didier Digard? Parce qu'il fallait remplacer Lucas, déjà, ça c'est le point numéro un. Et que, bon, il ressort de Didier, de son passé, et qu'il a coché toutes les cases pour venir au Havre. Donc, il fallait prendre en compte la situation du club, son effectif, le staff qui est en place et qui est resté. Et voilà, Didier cochait toutes les cases. Ouais, quand vous dites toutes les cases, c'est le fait qu'il ait joué ici, qu'il ait été formé ici, le fait que ce soit un entraîneur jeune, le fait c'est aussi un peu la philosophie du WAC de lancer des joueurs, mais aussi des entraîneurs. Le fait qu'il ait été formé ici, c'est un élément qui vient en plus, mais qui n'a pas de lien direct, je dirais, avec notre choix. Le choix, c'est effectivement le joueur qu'il a été, le caractère qui est le sien, sa façon de manager les joueurs, de les diriger, le style de jeu qu'il souhaitait mettre en place, tel qu'il nous l'a présenté. Voilà, et l'âge moyen de l'effectif qui, effectivement, pourrait être l'année prochaine un peu plus jeune que ce qu'il a été cette année. Et donc, le fait d'avoir un entraîneur jeune, la connexion, les messages se font peut-être plus facilement, c'est ça que vous voulez dire? Un entraîneur jeune et au caractère trempé, voilà. Et c'est probablement ce dont, non pas ce qui n'était pas le cas l'année dernière, parce que c'était le cas également, mais il fallait rester un peu dans la continuité d'un coach jeune, mais qui sait pertinemment bien où il veut aller. Et un coach ambitieux dans le jeu, nous a-t-il dit? Oui, je crois que c'est sa marque de fabrique, et c'est ce qu'il a montré à Nice la période où il a dirigé l'équipe première, donc sur des gros matchs, des matchs de championnat, de Ligue 1, des matchs de Coupe d'Europe, donc oui, c'est ce qu'il a montré. Un coach qui sait dès le départ que le porte-monnaie n'est pas... C'est-à-dire que tout a été très, très, très clair, très rapide et très transparent entre nous, et que la nature des moyens dont on disposait, les possibilités qui étaient les nôtres, Didier les connaît. Donc oui, ça a joué. C'est pas l'élément déclenchant, c'est pas l'élément moteur, mais il en a eu connaissance et il a eu la réaction qu'on attendait. Voilà. Ça vous inquiète, cette situation financière? Non, la situation financière du club ne m'inquiète pas du tout. Ce qui m'inquiète, c'est les droits télé, oui. Ça, c'est indirectement la situation financière, évidemment. Mais les droits télé, c'est extrêmement inquiétant, bien sûr. C'est compliqué le mercato, justement, à cause de ça? Il n'y a pas de mercato. À cause de ça, il n'y a aucun mercato pour l'instant. Regardez un peu dans tous les autres clubs et vous verrez que, à l'exception de Paris, de Monaco, voilà, je crois que c'est les deux seuls aujourd'hui qui ont... Oui, bon, voilà, Capri, alors, à 10, mais est-ce qu'ils sont payés cette année? Est-ce que c'est après avec une option obligatoire? Je suis un foutu de vous dire. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de mercato. Il n'a pas ouvert, il n'a pas commencé. Les clubs à l'étranger regardent ça à distance et avec patience. Et voilà, donc, il n'y a pas de mercato.